Alors dans cette vidéo, nous allons voir les principaux constituants de la cellule robotisée. La cellule robotisée est constituée d'une ossature en aluminium qui constitue le carter réalisant la séparation physique entre le lieu où le robot effectue son travail et l'extérieur de cette cellule en fait permet à d'autres dispositifs et aux opérateurs d'évoluer librement sans avoir la crainte d'être percuté par le robot. Alors, à l'intérieur de la cellule robotisée, nous avons le bras robotisé avec son pied et puis les différents axes qui lui permettent de se mouvoir. Au bout de la bride qui permet de porter les outils, nous avons l'outil avec le préhenseur en fait. La bride sur laquelle est fixé le préhenseur, on appelle ça flange dans la programmation. Donc ici, il s'agit d'une ventouse avec une plaque qui permet de déporter de l'axe 4 du robot. Le robot peut interagir avec des opérateurs par le biais de deux boîtiers. Le premier boîtier, qui est le boîtier WMS, Working Mode Selector, est un boîtier constitué d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un contact à clé. Contact à clé que l'on peut positionner soit en mode manuel, local ou déporté. Et une fois qu'on a choisi un mode de fonctionnement, on retire la clé. Le robot fonctionne et il est donc impossible sans la clé de changer de manière intempestive ou non désirée le mode de fonctionnement du robot. Tout ça bien entendu pour des raisons de sécurité. Si par exemple on se met sur le mode manuel, on peut alors déplacer manuellement les différents axes du robot grâce à un autre boîtier qui est le boîtier MCP, le Manual Control Pendant ou Teach Pendant. Donc il y a des flèches, des boutons qui permettent de déplacer le robot soit individuellement, soit axe par axe, soit d'un point de passage à un autre point de passage. Grâce à ce boîtier, on peut également donc déplacer le robot et lui faire mémoriser des points de passage. Alors, tous ces constituants, à l'intérieur de la cellule pour le bras robotisé, à l'extérieur de la cellule pour les deux boîtiers, sont reliés via le composant intelligent de la cellule qui est le contrôleur. Donc le WMS, le MCP et le bras robotisé sont reliés ici. Le WMS, le MCP envoient des données au contrôleur et le contrôleur donne des ordres de mouvement au robot. Le contrôleur est aussi relié à la chaîne de sécurité, les deux boutons d'arrêt d'urgence, mais aussi les contacts de porte. Le contrôleur peut être relié aussi à de simples capteurs qui vont permettre le déroulement séquencé du fonctionnement du robot.